Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous bénissons mon Dieu du fait que matin, nous avons une possibilité pour que nous soyons capables de procéder à lancement officiel par Facebook nous et chaîne YouTube nous, Sentinelle que vois-tu, qui est une page qui a pour objectif pour partager ensemble avec vous une série d'enseignements sur la parole de Dieu. Qui gagne pour partager toujours ensemble de prédications et puis des choses qui capable permettre ou grandir et épanouir spirituellement et socialement. Alors nous c'est frère Jean-Patrick Stacco, nous pas pral parler de tête non parce que c'est pas nous mêmes qui a l'honneur mais c'est Jésus-Christ. Alors nous a procédé matin à lancement officiel page la Sentinelle que vois-tu. Côté chaque semaine, nous avons une possibilité pour nous publier des séries d'enseignements ou du moins des prédications pour bénéfice téléspectateurs nous avec internautes nous. Alors, comme étant donné que nous connaissons Jésus-Christ pendant le passage de sous terre, il était donné, il était bail à apôtre. Et à nous-mêmes qui sommes chrétiens journée aujourd'hui, il y a une responsabilité. Une responsabilité que en pile dans nous-mêmes négligé. Une responsabilité que en pile dans nous commencer mais nous camper dans l'autre. Une responsabilité que nous laisser à fausse doctrine pour véhiculer des messages toxiques, des messages qui pas mener monde sur route salut. Mais à travers pas ça nous vaguons pour nous dire exactement ce que dit la parole. Parce que je vous dis, nous avons assisté à une confusion totale dans le milieu évangélique. Là. Ensemble des dominations qui existaient, mode l'évangile dilué qu'a prêché dans l'assemblée, refroidissement et chrétien. Alors, le Seigneur mettait sous cœur nous pour que nous lancions par ça. Côté, il était suscité, il était mis dans l'esprit nous, passage ça que nous allons partager ensemble avec vous, qui c'est Ézéchiel chapitre 33, le verset 6, qui dit que si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du corps, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a placé nous-mêmes, nous autres chrétiens, comme des sentinelles. Et lorsque malheur a venu sous peuple, lorsque malheur a venu sous nation, il a placé nous comme des sentinelles, comme des avant-gardes, pour que nous sonnions le corps pour avertir que nous avons malheur qui a venu. Et si nous regardons autour de nous-mêmes, l'apostasie bat son plein. Si nous regardons autour de nous-mêmes, les guerres, la famine, la prostitution, l'homosexualité, et toutes sortes de bagailles qui contraires à la parole que le Seigneur ligue en horreur, alors nous-mêmes, chrétiens qui c'est lumière, qui c'est sel, nous pas capables d'être indifférents sans que nous pas sonner corps là pour nous avertir que gagnons une soudaine, gagnons malheur pendier sous tête nation et sous tête monde ça. Que nous avons vivre, je ne veux dire. Alors, nous allons vaguer dans les jours à venir pour nous partager plus en profondeur ensemble avec vous. Ça, le Seigneur mettez sous que nous pour que nous partagions ensemble avec vous. Et au même, bon côté parole, vous vaguer même attitude avec, même genre avec chrétien de Berry, qui tape, lorsque tu recevais parole là, tu es allé. À vérifier exactement est-ce que ça y attendait à les conformes, les réels, les exacts. Alors c'est même attitude ça je vous dis que nous devons gagner dans le moment côté nous avancer à la fin des temps côté Jésus-Christ lui-même les parlons tout de même. Alors nous remercions ou même qui t'a accordé nous ces quelques minutes pour que nous partagions ensemble avec vous. C'est quelques mots pour que nous
procéder à lancement ça. Alors, chaque mardi, entre 10h et 11h, nous allons gagner une série d'enseignements live. Côté, si toutefois, ou disponible dans le moment ça, ou capable de suivre live avec nous, série d'enseignements. Et ou même tout, qui n'est pas disponible dans le moment ça, ou capable d'accéder à nous-mêmes sur page nous, page Facebook, nous Sentinelle que vois-tu, ou du moins sur chaîne YouTube, nous Sentinelle que vois-tu, pour plein épanouissement. Nous disons merci pour le moment ça, que le Seigneur les continue à bénir, que le Seigneur continue à porter la paix dans la famille, que le Seigneur continue à déverser grâce en abondance sur la vie et sur la vie famille. Bonne semaine et à la prochaine. Merci.